Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons parler du produit scalaire, qu'on appelle également la multiplication scalaire de deux vecteurs. En anglais, ça s'appelle le dot product parce que, dans le fond, cette multiplication est illustrée à l'aide d'un point. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs, ça correspond à la mesure de ce qu'on appelle le travail efficace effectué sur un objet. Alors, l'expression « travail efficace » ici est fort importante parce que dans une situation de travail, des fois, on peut travailler de façon très efficace, mais des fois, on peut travailler aussi de façon très inefficace. Alors, le produit scalaire, cette opération-là mathématique, sert à quantifier le niveau d'efficacité, si tu veux, du travail effectué dans une situation de travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail, généralement? Ben, c'est simplement d'effectuer une force une force sur un objet et de le déplacer. Donc, imaginons une situation dans laquelle un objet est soumis à une force de 100 N, représentée par le vecteur U, et se déplace sur une distance de 20 mètres, représentée par le vecteur V. La force a une orientation de 30 degrés. Donc, le vecteur U, c'est ma force de 100 N. Donc, je peux écrire ici que c'est la force exercée sur un objet qui serait ici représenté par le petit cube gris ici. Et le vecteur V, ben dans le fond, c'est le déplacement. OK, alors je vais écrire ici que ça représente le déplacement. Et on dit que l'objet va se déplacer sur 20 mètres. Donc, quelle est la quantité de travail efficace? Alors, on voit qu'il y a un angle de 30 degrés formé avec l'horizontale. Donc, autrement dit, sur les 100 newtons, on voit qu'il y a un petit peu ici d'énergie ou de force qui est effectuée à la verticale. Mais pourtant, l'objet se déplace à l'horizontale. Donc, ça ici, la composante verticale du vecteur U, c'est un peu des newtons de perdu ou de gaspillé. Parce que fondamentalement, l'objet se déplace vers la droite. Donc, la composante verticale, c'est un peu une perte. Qu'est-ce qui est réellement efficace? Ben, c'est la composante horizontale de la force. Ou autrement dit, c'est ce que l'on appelle la projection de la force dans le sens du déplacement ou dans la direction du déplacement. Donc, l'idée, ça va être de calculer quelle est la composante de mon vecteur force dans la direction du déplacement. Évidemment, ça va être un peu en dessous de 100 newtons. Et ça sera ça, la quantité de force qui va être considérée efficace. La composante verticale ici, elle est inefficace. Alors évidemment, pour connaître la projection de mon vecteur force sur le vecteur déplacement, ça va être un petit rapport trigonométrique qui va nous le donner. Alors, ici, là je suis un petit peu en dessous, je suis à cette ligne-là ici. La projection de U sur V se calcule ainsi. Donc, dans le fond, ça va être 100 fois le cosinus de 30 degrés. Bon, on se rappelle qu'en trigonométrie, le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2 ou à peu près 0,866. Donc, fois 100, ça va donner 86,6 et ce sont des newtons. Alors, dans mon petit schéma ici, le segment noir qui est ici, c'est la projection de U sur V. Et cette projection-là, elle vaut 86,6 newtons. Donc, il y a sur mes 100 newtons, 86,6 newtons qui sont réellement efficaces dans le sens et dans la direction du déplacement. Alors, nous, étant donné qu'on veut une quantité de travail, le travail, c'est des joules, c'est de l'énergie. Alors, on dit, j'ai 86,6 newtons dans le bon sens et je me déplace sur 20 mètres. Alors, je vais prendre 86,6 qui sont des newtons. Je multiplie ça par 20 mètres
et ça va me donner des newton mètres ou des joules. Alors, 86,6 fois 20, ça me donne 1732. Et 1732, ce sont des newton mètres ou des joules qui correspondent à de l'énergie. Alors, l'idée, c'est ça. C'est que le produit scalaire, c'est l'opération qu'on vient de faire là, et c'est simplement de quantifier quel est le travail, pas total, mais le travail efficace qui est effectué dans cette situation-là simple de travail. Alors, l'unité du travail, c'est le newton mètre, qui correspond aussi à des joules. Donc, ça va pas mal toujours être des joules ou des newton mètres ou alors des kilojoules ou des centijoules. Mais bref, ça va être des unités qui vont s'apparenter à ça. Donc, premier exercice. Soit deux vecteurs P et Q ici. Tracer la projection de P sur Q et la projection de Q sur P. Alors, la projection, c'est la composante d'un vecteur dans la direction, pas nécessairement de l'axe des X ou de l'axe des Y, mais dans la direction de l'autre vecteur. Donc, pour ça, mettons la projection de P sur Q, ce que je vais faire, c'est que je vais abaisser une perpendiculaire qui part de l'extrémité de P jusqu'à mon vecteur Q, comme ça. C'est bien important que ce soit une perpendiculaire. Et la projection de P sur Q, c'est la composante du vecteur P dans la direction de Q. Donc, c'est la mesure de cette petite, ou de ce petit segment-là. Et encore une fois, ben, on comprend l'idée. Cette projection-là, si on voulait calculer sa valeur, on ferait la norme du vecteur P fois le cosinus de l'angle entre mes deux vecteurs. Et la projection de Q sur P, je vais le mettre dans une autre couleur, donc la projection de Q sur P, ça serait la composante du vecteur Q dans la direction de P. Donc, c'est le même travail, autrement dit, c'est la même idée. On abaisse une perpendiculaire à P à partir de l'extrémité du vecteur Q, comme ça ici. Et la projection de Q sur P, ça sera la mesure de cette petite portion-là qui est ici. Et c'est encore une fois la norme du vecteur Q fois le cos de l'angle entre les deux vecteurs. Voilà. Petit exercice ici en dessous, quand les vecteurs forment un angle supérieur à 90 degrés, donc un angle obtus, la projection de V sur P, on voit que là, les deux vecteurs réellement ont des directions et des sens qui semblent très incompatibles dans une situation de travail. Autrement dit, on pourrait imaginer un objet qui cherche à se déplacer par là-bas et une force qui est exercée par ici. Donc, on sent que non seulement ce n'est pas du tout efficace, mais que dans le fond, c'est contre-productif parce que si quelqu'un force dans cette direction-là alors que l'objet tend à se déplacer par là, ben en fait, il retient l'objet, il ne l'aide pas du tout à se déplacer. Donc, ce serait carrément un travail très inefficace. Et le produit scalaire va refléter cette analyse-là qui est très simple. Alors, la projection de V sur P, ben, dans le fond, tu dis, OK, quelle est la composante du vecteur V? Ben, dans la direction du vecteur P. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger le vecteur P comme ça ici. Donc, je vais imaginer qu'il est... je vais imaginer la droite qui supporte le vecteur P carrément en prolongeant le vecteur. Et là, je vais ici abaisser une perpendiculaire à partir de l'extrémité du vecteur V jusqu'à ma prolongation. J'ai un angle droit. Et la projection de V sur P, ce sera la valeur de ce petit segment. Quand je disais que le produit scalaire allait refléter cette situation-là inefficace, c'est parce qu'on voit qu'on a un angle obtus ou un angle qui est supérieur à 90 degrés. Alors, quand je vais faire la norme, par exemple, si j'avais des valeurs numériques et que je faisais la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs, le cosinus d'un angle supérieur à 90 degrés, on sait que c'est négatif. Alors, on va se retrouver avec un produit scalaire négatif ici. Alors ici, je sais que le produit scalaire
qu'on appelle aussi le travail efficace, sera ou serait négatif, car le cosinus d'un angle supérieur à 90 degrés est négatif. Donc, dans une situation comme celle-ci, le produit scalaire serait négatif. Donc, on comprend que c'est une situation où le travail efficace est en fait très inefficace. Voilà. Soit deux vecteurs V et U. Alors, le produit scalaire, au niveau de la notation, on va le noter V point. Alors, c'est un point qui est plus gros que le petit point habituel d'une multiplication en algèbre, là. Alors, c'est vraiment un point plus pointu. Qu'est-ce que je dis là? Et on colorie l'intérieur. Et puis, voilà. Donc, V produit scalaire U, c'est ça. Donc, d'où le nom dot product. En reprenant la définition donnée au début, alors, quand on a calculé notre premier produit scalaire au début, qu'est-ce qu'on a fait? Ben finalement, on a fait la mesure de la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement, donc la norme du vecteur force fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs, et on a par la suite multiplié par la longueur du déplacement pour connaître des newton-mètres. Alors, fondamentalement, on multiplie les normes et le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Alors, on a l'habitude d'écrire ça comme ça. Norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Remarquez ici la grosseur du petit point que j'ai mis ici. C'est un point de multiplication et non pas de produit scalaire, alors je le mets plus petit. Et je multiplie ça par le cosinus de θ. Et c'est bien important de se convaincre ou de réaliser que θ n'est pas l'orientation d'un vecteur, mais ça correspond à l'angle formé entre les vecteurs. Alors, à quoi correspond θ dans la formule du produit scalaire? C'est à l'angle... Wouh! Mon Dieu, j'ai accroché un bouton ici. Donc, ça correspond à l'angle formé entre les vecteurs. Formé par les vecteurs, j'aurais peut-être plutôt dû écrire. Alors, le produit scalaire retourne un scalaire. Donc, autrement dit, c'est une opération mathématique dont le résultat est un nombre réel, un scalaire, et non pas un vecteur, comme la multiplication d'un vecteur par un scalaire, qu'on a vu dans une capsule précédente, mais qui est complètement autre chose. Alors, ce n'est pas un vecteur. Ça le dit, le produit scalaire, ben, c'est un produit qui retourne un scalaire. Il s'agit d'une opération arithmétique commutative. Donc, dans une situation purement théorique où il n'y a pas on ne précise pas qu'est-ce qui représente la force et qu'est-ce qui représente le déplacement, ben on peut, indépendamment de tout ça, changer l'ordre des vecteurs que l'on multiplie entre eux. Donc, Q fois P, ben, c'est la même chose que P fois Q, donc... Autrement dit, on n'a pas besoin de savoir quel vecteur représente une force, quel vecteur représente un déplacement. C'est commutatif, donc d'un côté comme de l'autre, on peut faire la multiplication dans le sens qu'on veut. Alors, exercice, donner la valeur du produit scalaire ici, Q fois V. Ben, ici, notre vecteur Q représente une force de 20 newtons et le vecteur V représente un déplacement de 50 mètres. Et on voit qu'on a un angle de 42 degrés entre mes deux vecteurs. Donc, on peut se contenter de tout simplement appliquer la formule que nous venons de voir en haut. Alors, le produit scalaire Q fois V, ben, ça va être la norme du vecteur Q, donc 20 newtons, fois la longueur du déplacement, 50 mètres, fois le cosinus de l'angle formé par mes vecteurs. Donc, fois le cosinus de 42 degrés. Alors, bon, ça va être 1000 fois, je ne sais pas, autour de 750, je dirais. Alors, 20 fois 50 fois le cosinus de 42 degrés.
Bon, 743,14. Alors, c'est à peu près de 743,14. Et l'unité du produit scalaire, ici, des newton-mètres. Alors, on peut écrire newton-mètres. Ou on peut écrire aussi joule. C'est l'équivalent. Donc, on voit que c'est quand même assez... hein, c'est pas très compliqué. En B, à quelle valeur de Q fois P, donc autrement dit, à quelle valeur du produit scalaire devrions-nous nous attendre dans une telle situation? Alors, on voit clairement ici qu'il y a un angle droit formé entre mon vecteur force, qui est le vecteur Q, alors comme ça ici, et le vecteur P, qui est le vecteur déplacement, parce qu'on le calcule en mètres. Bien ici, on n'a pas vraiment besoin de connaître la trigonométrie pour comprendre que le travail est totalement inefficace, c'est-à-dire que mon objet tend à se déplacer à l'horizontale et moi, ben, pour donner gentiment un coup de main, je dis ben, je vais exercer une force à la verticale. Donc, on s'entend qu'il n'y a absolument aucun intérêt à faire ça. Donc, côté efficace, c'est totalement nul. Et donc, à ce moment-là, produit scalaire serait nul parce que tu n'es pas contre-productif, mais tu n'aides pas personne non plus en tirant vers le haut. Alors, d'un point de vue logique, je pense qu'on le comprend. Puis, on sait que, évidemment, ben, le cosinus d'un angle de 90 degrés, c'est zéro. On l'a déjà vu en trigonométrie. Et la composante de la force dans le sens du déplacement ici, ben, c'est zéro. Okay? La composante de Q dans la direction du vecteur déplacement, c'est absolument zéro. Alors, pour peut-être nous en convaincre, on peut le calculer, mais vous allez voir que ici, notre pressentiment sera juste. Alors, norme de l'un fois le norme de l'autre fois le cosinus de l'angle entre les deux, donc 20 fois 75 fois le cosinus de 90 degrés. Ben voilà, ça va donner zéro. Alors, 20 fois 75 fois le cosinus de 90 degrés, ça donne bien zéro, puisque le cosinus de 90 degrés, c'est zéro. Alors, c'est zéro newton mètre. Alors, on a maintenant une autre façon de traiter l'orthogonalité entre deux vecteurs, c'est-à-dire que là, maintenant, on voit que lorsque le produit scalaire donne zéro, fondamentalement, ça veut dire qu'on a une situation où les vecteurs sont orthogonaux. Alors, on avait déjà parlé de ça. Comment reconnaître des vecteurs qui sont orthogonaux? Bien ici, quand le produit scalaire va donner zéro, bien j'aurai ici, évidemment, une façon de vérifier que des vecteurs sont orthogonaux. On va le voir plus loin à l'aide d'exemples. Alors, si l'angle entre les vecteurs est supérieur à 90 degrés, à quoi devrions-nous nous attendre en ce qui a trait à la valeur du produit scalaire? Bien, ça, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure à l'exercice 2 ici. Bien, quand l'angle entre les vecteurs, pardon, sera supérieur à 90 degrés, notre produit scalaire sera négatif. Il sera négatif. Un peu plus loin, donc, petit exercice ici, assez simple. Donc, soit S et T, deux vecteurs. On sait que la norme de S est de 15 newtons et la norme de T vaut 12 mètres. De plus, on connaît la valeur du produit scalaire. On sait que c'est 120,44 joules. On veut trouver l'angle entre les vecteurs. Donc, là, cette fois-ci, on fait juste déplacer l'inconnu dans notre formule de produit scalaire. Alors, on va avoir que le produit scalaire, 120,44, sera le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Donc, 15 fois 12 fois le cosinus de θ, qui est l'angle entre mes vecteurs, θ étant mon inconnu. Alors, ben, je vais isoler θ tout simplement. Donc, je vais diviser par 12 fois 15. Oups, c'est pas 144, mais c'est plutôt 44. 120,44 divisé par 12 fois 15 égale le cosinus de θ. Et là, remarquez que je ne prendrai pas ma calculatrice tout de suite pour évaluer que vaut ce rapport-là. Je vais le garder comme ça pour avoir le θ le plus précis possible et le moins arrondi possible. Donc, je vais faire cosinus moins 1 de ce rapport. 120,44 sur 12 fois 15. Et ça va me donner la valeur de θ. Alors ici, cosinus moins 1 de 144
non, 120,44, si ma mémoire est bonne, divisé par 12 fois 15. Et ça me donne un angle ici de 48 degrés. Et un millième, on va écrire 48 degrés. Donc, θ est à peu près égal à 48 degrés. Ce n'est pas une orientation, c'est l'angle entre mes deux vecteurs. Bon, le petit encadré ici, alors si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors ces vecteurs sont orthogonaux. Donc ça, c'est très commode, ce petit encadré-là, parce que ça me dit que si je veux vérifier que deux vecteurs sont perpendiculaires, je n'ai qu'à faire le produit scalaire. Si le produit scalaire est nul, ça veut dire que mes vecteurs sont orthogonaux. Comme on l'a vu préalablement dans une capsule précédente, on voyait que quand le produit des pentes des vecteurs donnait moins 1, ça veut dire que mes vecteurs étaient orthogonaux. Ben là, ici, si le produit scalaire est nul, j'ai une autre façon de vérifier la position relative de mes vecteurs. Alors, qu'en est-il des composantes? Parce que depuis le début du chapitre, on ne parle que des composantes à peu près. On dit que les composantes, c'est vraiment l'outil de travail le plus facile à utiliser. Alors, lorsque les vecteurs sont donnés sous forme de composantes, le produit scalaire s'effectue comme suit. Alors, si le vecteur U a des composantes qui sont AB et le vecteur V a des composantes qui sont CD, alors le produit scalaire U fois V sera égal à A fois C plus B fois D. Alors, on multiplie les composantes horizontales et on additionne à ça le produit des composantes verticales. Bon, c'est assez rare cette année, vous en conviendrez, là, que je vous donne une formule comme ça tout bêtement sans vous l'expliquer ou sans vous présenter un peu d'où elle vient et comment elle se construit. Alors, la formule du produit scalaire avec les composantes, elle est un peu lourde et je ne la présenterai pas dans cette capsule. Par contre, je l'ai mis en annexe du cahier de notes. Et ça commence, je pense, à la page 40, si ma mémoire est bonne, ouais, à peu près. Un petit peu plus loin, en fait. Ah, 40 et... Oui, 40, voilà, à la page 40. Alors, pour ceux qui n'ont pas mon cahier de notes, vous pouvez le télécharger sur le site du cours, il n'y a pas de problème, là, mais la démonstration, elle est là. Alors, je l'ai toute rédigée parce qu'elle est longue, donc je ne la ferai pas dans une capsule vidéo, c'est très long. Mais généralement, l'idée, c'est ça ici. Donc, on se construit deux vecteurs dans le plan cartésien, des vecteurs moi que j'ai appelés U et V, avec des composantes orthogonales qui sont AB et CD. Et je donne ici une idée générale de la preuve. Okay. Alors, on parle de la projection orthogonale du vecteur OB sur le vecteur OA. Je vais appeler cette projection-là le vecteur OP. Okay? Et là, on y va. Donc, ça nous prend des équations de droite. Ça nous prend ensuite de ça la mesure de la projection OP et ainsi de suite avec les pentes et avec des rapports... avec les pentes, en fait, c'est carrément avec les pentes. Et là, vous voyez que la démonstration est quand même relativement longue. Ça me prend les coordonnées du point P et ainsi de suite. On a un système d'équations à résoudre par comparaison et on a finalement les coordonnées du point P qui est l'extrémité de la mesure de ma projection orthogonale et finalement la mesure de la projection c'est une distance entre deux points donc c'est la mesure du segment OP et on voit que c'est relativement long et tout ça nous mène à une conclusion qui après de longs calculs ben est un peu étonnamment simple, c'est que tout ça, finalement, c'est la mesure de A fois C plus... c'est la valeur de A fois C plus B fois D. Et c'est encore une fois des newton-mètres ou des joules ou alors des multiples de ces unités-là. Là. Alors, voilà. Donc, la définition du produit scalaire... Pas la définition, mais la formule du produit scalaire, elle est là. Et on a finalement à peu près tout couvert. On peut faire un petit exemple vite de produit scalaire à l'aide des composantes, juste pour qu'on l'ait fait une fois. Donc, exercice 1, le vecteur Q, ses composantes 5 moins 2 et le vecteur T, 1, 3. Calculer Q fois T. Alors, avec la formule, c'est très simple. Produit des composantes horizontales, donc 5 fois 1, plus produit des composantes verticales, donc moins 2 fois 3. Je mets des petits points ici parce que ce sont des multiplications entre
nombre réel, donc ce n'est pas des multiplications scalaires. 5 plus moins 6, bien évidemment, le produit scalaire vaut moins 1. Alors, on pourrait faire toutes sortes de déductions, c'est-à-dire que l'angle entre les vecteurs est supérieur à 90 degrés, le travail efficace, il est négatif, donc voilà. Et c'était pas mal l'essentiel que je voulais vous montrer dans cette longue capsule, mais fort importante. Alors, la prochaine capsule portera sur les combinaisons linéaires. Merci!